Alors ce verset coranique a été révélé à propos de l'événement qui a eu lieu à Uhud lorsque les Quraysh, les Mekwa, les Arabes qui étaient à la Mecque voulaient faire intrusion, s'introduire dans la ville de Médine afin de tuer le prophète, tuer les compagnons et saccager ce qu'ils pouvaient saccager pour montrer leur force et leur supériorité. Alors que le prophète wasallam, ainsi que les compagnons étaient dans une optique d'autodéfense tout simplement, ni plus ni moins. Ils ne voulaient pas verser le sang, ils ne voulaient faire de mal à personne. Eh bien, y a une information qui s'est répandue à euh, et au sein euh, des compagnons, مردهم, qui était que Il parlait de qui parlait d'une armée qui voulait les attaquer, qui voulait les détruire, les écraser. Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Qu'est-ce qui s'est passé Comment ont-ils réagi Quelle morale, quelle leçon prendre de cette situation imana. Allah, Allah. Wa Wa ils n'ont pas rebroussé chemin, ils n'ont pas été pris d'une grande panique de sorte où ils ont abandonné, abandonné le prophète, wassalam, perdu la confiance qu'ils avaient envers leur Seigneur, la foi qu'ils avaient en Dieu. Mais non, leur foi a augmenté et ils ont dit wa Dieu nous suffit. Ils savaient qu'ils allaient être opprimés, mais ils ont réagi comment Dieu nous suffit et c'est le meilleur des garants. Et cette parole-là, Yual c'est cette parole qui est citée dans ce verset coranique. Et Dieu nous montre le résultat, le fruit de cette parole-là qui est dite avec conviction, avec certitude, avec fermeté. <hass -t 'en> Dieu dit ensuite, <hass -t> en> ils retournèrent avec quoi Un bienfait venant de Dieu et une grâce. Et aucun mal ne les a touchés, c'est-à-dire un bienfait et une grâce venant d'Allah, un allègement, un soulagement, un secours, une assistance venant de Dieu. Voilà pourquoi le prophète ne cessait de dire aux compagnons, lorsqu'ils se retrouvaient dans des situations très difficiles, quelquefois chaotiques, il leur disait, wa Allah nous suffit. Et c'est le meilleur des garants. Lorsque tu dis cette parole avec conviction, eh bien, tu t'en remets complètement à Dieu. C'est comme si tu disais à Dieu Ya Allah, ça c'est au-dessus de mes capacités. C'est trop pour moi. J'ai confiance en toi et je sais que tu ne m'abandonneras pas. Eh bien, je m'en remets complètement à toi. Et je me, j'agis je me, avec un une confiance un soulagement un apaisement parce que je sais que tu es là et je sais que tu n'abandonnes pas tes serviteurs hasbunallahu wa ni'mal wakeel ibn abbas radiallahu anhu radiallahu anhu wa an abi a dit hasbunallahu wa ni'mal wakeel قالها ابراهيم عليه السلام وقالها محمد عليه الصلاه والسلام il dit cette parole là ce n'est pas que les compagnons qui l'ont dit mais Ibrahim, Abraham, notre père Ibrahim, ce grand prophète, ce grand envoyé, il a dit, à quel moment Vous connaissez l'histoire Lorsqu'ils l'ont mis dans la catapulte, et ils ont voulu le jeter dans un feu immense qu'ils avaient préparé pour tuer Ibrahim, Abraham alayhi salatu was salam, et bien il est rapporté que Allah ta'ala a envoyé un ange. Et cet ange-là a dit à Ibrahim, quel est ton besoin Quelle est ta demande Il dit, de toi Aucune. Il dit, mais de Dieu, Allah me suffit et c'est le meilleur des garants. Allah dit dans le Coran, dans le Saint-Coran, et il rappelle les conséquences. La conséquence de, de cette parole-là, dite par Ibrahim Allah Allah. Il dit, ô oh toi, le feu, Dieu s'est adressé au feu. Nous avons dit, au oh feu soit fraîcheur et paix pour Ibrahim. Et il est rapporté, d'après certains récits qui ne sont pas authentifiés, où Ibrahim a dit, c'est les plus beaux jours et les jours les plus paisibles de ma vie que j'ai passé. Quand il était dans le feu, mais Dieu a fait que ce feu ne l'a pas brûlé. Au contraire, ce fut une fraîcheur et une paix pour Ibrahim. Vous voyez les conséquences, les fruits ici de cette parole Et à quel moment ces paroles ont été dites dans des situations où peut-être tu te dis eh bien, il n'y a plus aucun secours possible. Mais quand tu l'as dit, eh bien, le, la situation chaotique, la grosse épreuve, la grande peur se transforme par un grand soulagement, une grande délivrance, un grand bienfait, une grande grâce venant de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi il est important de répéter cette parole, comme Dieu l'a mentionné dans le Coran, lorsqu'il dit que des gens ont dit, lorsqu'il dit que des gens ont dit, et ennaise dans le Coran, Ici une petite faïda, sachez que quelquefois, bien que cette parole dit et veut dire en langue française les gens de manière générale, peut avoir une portée restreinte. Quelquefois, un nas dans le Coran désigne un groupe de personnes, ou bien peut désigner une seule personne car une personne fait partie des gens. Et voilà pourquoi il y a des versets coraniques où Dieu utilise le terme un nas comme à titre d'exemple quand il parle des... Manasik des rites du pèlerinage, et il dit Et déferler, d'où ont les gens. Mais il s'adresse pas à l'ensemble de l'humanité, il s'adresse ici aux croyants, aux musulmans. Et là, dans ce verset coranique, certains savants ont dit que, eh bien, quand Allah a dit euh, que les gens leur ont dit, il parlait de Abu Sufyan. Et donc on dit c'est Abu Sufyan et ceux qui étaient avec lui, répété de jour comme de nuit. Et particulièrement, quand vous êtes dans une situation très difficile, cette parole mentionnée dans le Saint-Coran, qui est un trésor, parmi les plus grands des trésors, « Hasbunallah wa ni'mal wakil »